Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est toujours un plaisir pour montrer la caillou pour me porter pour toutes dernières informations à travers le pays d'Haïti, tant que l'autre bord de l'eau. Jeudi, hein, c'est lundi 11 mars 2024. Déjà, bienvenue dans la première édition Journal Créole, nous, en collaboration avec VOA Créole, qui a présenté au président Jerry Chérestal. Actualité a toujours dominé par crise politique haïtienne. Non? Pour réunion spéciale en CARICOM organisée jeudi lundi, qui c'est 11 mars 2024, là, dans Kingston, capitale du pays Jamaïque, dans le cadre pour capable joindre une solution pour la crise qui a prolongé le pays d'Haïti. Ça fait un bon bout de temps. Ça fait depuis plusieurs semaines. L'actualité a toujours, amis internautes, question gang qui a baillé problème dans le pays d'Haïti. Et le président Salvador Nayib Bukele lui-même présenté une façon de proposer pour qu'il soit capable d'entrer dans le pays d'Haïti pour résoudre un problème de violence gang armée dans le pays d'Haïti avec condition que lui-même les joigne en financement à autorisation Conseil sécurité Nations Unies. Pays Kenya, bon côté parle, ministère intérieur pays ça a annoncé qu'il est même li prêt pour qu'il capable débarquer dans le pays d'Haïti pour qu'il est même li capable venir porter soutien et entraîner police nationale d'Haïti après accord national après accord li même qui était déjà signé en deux pays qui donc Haïti ensemble avec pays Kenya. États-Unis, élection, président Joe Biden et ancien président Donald Trump, yo même qui menait campagne yo et spécialement directement côté que yo penché sous cas directement amis internautes immigration. Et bien c'est tout pour ça yo à divers slots. Nous va gagner pour nous développer pour après-midi dans le journal ça, restez connecté avec nous, yon façon capable bien informé. Une autre fois encore, go bonsoir pour nous toutes et bienvenue dans le développement journal Sila. Et go réunion organisée jeudi, alors réunion ça qui était pour être organisée à partir de 11h du matin, bien dans Kingston, capitale en pays Jamaïque, après que le Premier ministre Ariel Henry lui-même qui trouvait qui était déplacé le 25 février qui s'est passé là, et bien le Premier ministre là qui trouvait là directement qui était trouvé là dans le pays et Guyana le 25 après déplacement ça pendant 46e sommet CARICOM qui se trouvé dans pays Kenya pour signer un accord entre Haïti ensemble avec Kenya dans cadre pour que capable de débarquer dans pays d'Haïti pour capable venir traquer gang et aider police nationale là contre Améo qui a bail problème dans pays d'Haïti et après il trouvé là directement en dedans pays États-Unis par la suite pour entrer dans le pays d'Haïti prend un avion pour capable passer par ce domaine et normalement il pas possible amis internautes de obligé rentrer directement dans le pays Porto Rico de là étant et bien premier ministre Ariel Henry étant Porto Rico amis internautes situation paraît extrêmement difficile et depuis lors Haïti connaît une crise en la côté que nèg examen a bail en pile problème et que néochirurgien n'est pas capable rentrer dans le pays d'Haïti et bien crise ça côté que Ariel Henry lui-même qui trouvait une situation qui est extrêmement difficile et gagné un gros accord qui t'a supposé signer pour connaître et qui est-ce qui t'a supposé remplacer Ariel Henry parce que après un bon bout de temps Ariel Henry n'a pas décidé de dire rien, il n'a pas décidé de démissionner, il voulait entrer dans le pays d'Haïti et jusqu'à présent il n'est pas capable d'entrer et gagné plusieurs partis politiques qui mettaient tête ensemble pour signer plusieurs accords qui fait des propositions à CARICOM pour connaître qui est-ce qui t'a supposé pour joindre une solution ensemble avec crise Haïti lui-même li a subi et jusqu'à présent rien pour que jamais sorti. Et bien je dis effectivement yon gros réunion qui t'a chita sous dos, qui t'a chita sous crise ça côté que pas gain aucun haïtien qui t'est arrivé invité amis internautes pour connaître qui ça qui va le faire et d'après toute dernière information mais réunion ça t'a chita sous ta sous démission Ariel Henry et pour connaître tout qui est qui t'a supposé remplacer premier ministre là pour qu'on ait pour déroquer pour Haïti lui-même li capable de jouer une solution dans le cadre de la crise qui a rongé le pays d'Haïti chaque jour plus. Mais entre-temps, gagnant en pile monde, gagnant parti aidé
gagné parti petite Dessalines et gagné Montana plusieurs longtemps yo même qui était supposé faire des propositions gagné et André Michel beaucoup de parlant de concert ensemble avec Majorie Michel ensemble avec Zami internet plusieurs l'autre acolytes li et bien Ariel et bien gagné André Michel beaucoup de parlant li fait qu'on est pour que capable gagner proposition ça li même li proposer exactement pour que premier ministre Ariel Henry capable sortir capable rentrer en dedans pays pour qu'il capable venir continuer œuvre comme il va continuer aider population haïtienne là mais pour que il capable venir amis internet a supposé gagner un président un premier ministre et premier ministre va supposer l'autre c'est normalement premier ministre Ariel Henry de la Haïti pour que eh bien travail à lui-même li capable continuer yon l'autre côté amis internet pendant comme lui-même li a travaillé dans cadre pour que li capable wè ki solution Haïti capable joindre avec crise ça eh bien gagne tout plaisir haïtien sorti pour ta déchouquer Ariel Henry dans pays Porto Rico principalement en dedans San Juan eh bien gagne en pile l'autre c'est en pile monde en pile haïtien c'est une dit l'autre pour comment qui capable mettre tête ensemble faire gros foule gros manifestation pour capable river mandé Ariel Henry pour démissionner pour qu'il capable joindre un monde pour remplacer là dans tête pouvoir en dedans pays d'Haïti. Président Nayib Bukele qui c'est président pays Salvador lui-même lui proposer tête lui pour que lui-même capable rentrer dans pays d'Haïti pour capable venir résoudre un problème en violence gang qui gagnait en dedans pays a gagné une première fois côté que Nayib Bukele était déjà proposé pour qu'il capable entrer pour qu'il capable résoudre problème ça et bien pas jamais gain aucun rien qui te dit celle qui demande que pour qu'il capable gagne yon bureau nan pays d'Haïti et bien bureau ça en pile monde te déjà fait comprendre surtout en dedans pouvoir que Nayib Bukele c'est besoin vienne installer en dedans pays d'Haïti il pas capable bail sécurité et bien en dedans pays Salvador président Nayib Bukele en tant que yon nan président zami internaute nan tout président qui passait c'est un président qui t'a paraître plus populaire pour service que lui-même li bail en dedans pays Salvador nan yon seul jour lui-même était normalement maré environ 8000 gangs c'est ça que lui-même c'est travail ça que lui-même était réalisé déjà lorsque lui-même était prend tête pouvoir dans le pays Salvador et ben jodi a lui-même hier zami internaute hier dimanche là il fait proposition ça pour que lui-même li capable rentrer dans pays d'Haïti et le disposer pour rentrer ça c'est déclaration en président Nayib Bukele li prêt pour qu'elle capable venir Goumen contre violence gang armée au depuis c'est nèg qui armé dans pays d'Haïti et bien seule condition il suffit que li capable joindre condition il joindre financement à autorisation Conseil sécurité Nations Unies il dit déjà prêt pour rentrer dans pays ça si toutefois lui-même li connaît la joindre normalement bon gens et conseil capable joindre bon gens autorisation il capable joindre financement tout parce que bagayo c'est bam mabol il pas rentrer comme ça pour venir bon sécurité il va venir rentrer comme ça pour venir traquer gang yo mais la venir madame monsieur yon façon pour que lui-même il capable joindre façon pour mettre gang yo à terre mais faut lui-même il joindre autorisation Conseil sécurité Nations Unies que nous connaît qui a travaillé sérieusement sur cette nan là gagne tout ministère intérieur en dedans pays Kenya et bien lui-même li annoncé lui-même li paré pour qu'il capable rentrer pour qu'il débarquer dans pays d'Haïti mais entre ya comme nous connaît déjà te gagne un accord qui était signé entre pays d'Haïti ensemble avec Kenya pour que force multinationale dans pays Kenya capable rentrer dans pays d'Haïti et déjà t'a gagné 1000 soldats 1000 policiers Kenya qui t'a rentré en dedans pays d'Haïti mais gagné mes responsables en dedans pays ça qui déjà fait comprendre que eh bien li pas possible pour que soldats ou capable rentrer dans pays d'Haïti parce que gang nan li même qui trouvé en dedans pays d'Haïti yo remarqué yo tellement violent dépassé eh bien aucun soldat eh bien Kenya ou pas rentrer dans pays d'Haïti pour que même yo pas quitter pour yo eh bien là jodi a zami internaute ministère intérieur li même li fait connait li prêt li paré pour qu'il capable débarquer en dedans pays d'Haïti qu'il pas venir faire l'autre bagaille mais tout simplement il pas venir débarquer il pas débarquer pour qu'il capable venir déchouquer gang mais la débarquer pour que lui même capable venir entraîner police nationale d'Haïti pour que c'est eux même qui a gommé contre gang
qui n'ont allé dans pays yo après si ati accord réciprocité entre Haïti ensemble avec Kenya. Et mais deux pays ça yo qui t'est venu signer accord là, bien pays Kenya lui-même li prêt, li disponible et surtout directement c'est ministère intérieurs amis internautes qui mettaient parafli en bas notre sila. Il y a président Joe Biden ensemble avec ancien président Donald Trump de monsieur Sayo qui va gagner capable trouver une élection eh bien année 2024 là, année 2024 là qui c'est une année élection dans pays États-Unis. Deux présidents Sayo yon ap touke konyo ensemble avec l'autre. Eh bien, nan menen campagne yon nan Georgia, yon président Joe Biden nou konnen li même ki genyen yon programme ki le programme Biden ki bay occasion avec un Jamaïque, un Venezuela, Haïti ak l'autre pays pour que yon capable entrer nan pays États-Unis sans aucun problème et surtout moun ki touve yon en difficulté. Genyen le président Joe Biden li même malgré li fait toute intervention sa, li fait tout effort sa yo. Yon président Donald Trump nan campagne parle qui lui-même a mené côté qu'il a reproché un premier ministre un président Joe Biden pour quantité monde li a fait entrer dans pays États-Unis alors que gagnent immigrants gagnent mon autre nation qui a sorti l'autre côté et qui a vinn touyer pays petit propre petit pays gagnent Riley lui-même yon vénézuélienne qui était lui-même qui était touyer yon américain. Tout ça li parle montrer que question immigration hein, ça li bay gros problème. Qui est-ce qui bay problème ça? C'est Joe Biden qui a râlé moun de yo pour vinn touye et bien petit terre qui vinn touye américain. Tout ça et bien gagné ancien président Donald Trump lui-même qui joint des indices pour que lui-même ni capable mettre sous Joe Biden pour capable craser dans élection ça d'une façon que lui-même li capable réussir. Gagné tous madame monsieur gros manifestation hier qui fait un qui fait non voilà maintenant la côté qui gagne toute partisan petite de Saligno yo débarqué sorti de yob que eux-mêmes yo capable annoncer que normalement et bien petite de Saline lui-même yo sorti pour de bon et bien trois membres yo supposé choisir yo c'est trois membres qui lui en faveur pays a trois membres qui supposé en faveur parti petite de Saline et bien monde ça OK au choisir pour capable mandé a gagner militant politique yo profiter occasion pour qu'yo capable faire comprendre ensemble avec blanc yo pas besoin pièce moun pour venir diriger yo pas besoin Ariel Henry tout mais tout simplement c'est petit pays qui pour mettre tête ensemble pour que eux-mêmes yo capable joindre moun qui pour diriger yo parce que yo pas besoin ni blanc maintenant ni blanc pépé pour ab diriger yo en dedans pays d'Haïti. Voilà, madame, mesdemoiselles et messieurs, c'est tout pour ça. Yo, à divers lots, nous t'arrivons développer pour nous dans le journal ça. Restez connectés avec nous, yo façon ou même capable bien informer, moun qui t'a présenté au journal jeudi à ses amis, Jerry Chiristal. Eh bien, restez connectés avec nous, n'a quitté ensemble avec confrère nous, yo, VOA Creole, pour plus d'informations et pour plus de détails. C'est Jacqueline Bélizère, quelqu'un grand point cap dominé, actualité. Américain Anthony Blinken nous gagne sous place envoyé spécial VOA Creole Valerio Saint-Louis. Président pays Salvador Nayib Bukele proposé pour venir Haïti pour résoudre violence gang armée à condition li joine financement à autorisation Conseil sécurité Nations Unies. Dans pays Kenya, ministère intérieur annoncé yo paré pour déployer dans pays d'Haïti pour entraîner police nationale après signature accord réciprocité entre deux pays. États-Unis élection, président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump menaient campagne avec une attention spéciale sous immigration. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre encore, nous allons le développer pour un petit moment, mais actualité concernant le pays d'Haïti, et bien, tout focus là, c'est sous Kingston, Jamaïque, côté que gros réunion, en réunion d'urgence que CARICOM a réalisé dans le cadre et d'efforts pour joindre une solution par rapport à la crise pays d'Haïti a traversé. Journée jodia, nous sommes sous place dans Kingston, Jamaïque, envoyé spécial nous, Valerio Saint-Louis. Valerio Saint-Louis, bonsoir, dis-nous non, ou sous place, côté que réunion ça a déroulé, dis-nous ça, ouais, s'entendez. Bonsoir Jacqueline, ma salue depuis Kingston, Jamaïque, côté que effectivement, depuis matin, dans le local hôtel ça qui est le Pegasus Hotel, qui finalement va le tourner un hôtel historique, puisque déjà, bonjour, que la presse locale, eh bien, il est déjà classé réunion ça qui a fait sur Haïti comme une réunion très importante, une réunion extra-historique d'après la presse locale. En tout cas, aussi, on dit tout à l'heure là, son réunion qui a fait en urgence, côté que CARICOM, il convoquait non seulement pays membres CARICOM, mais
pays, les États-Unis, la France et Canada pour question pays d'Haïti. Je dis à depuis matin, VOA Creole débarqué, nous là, dans l'hôtel, là, après nous remarquer, eh bien, on allait maintenant venir, on va et vient qu'a fait en dedans lobby et hôtel là, et côté nous camper à la dans salle conférence, côté que nous prenons le temps, le qu'on s'est parlé avec des responsables caribéens. CARICOM, il semble qu'il prenne venir dire nous qui s'est sorti en dedans réunion. Eh bien, réunion depuis matin qu'a fait, et pour qu'on ait qui ça, puis on prenne décider sur le pays d'Haïti. Nous remarquons, nous avons gardé là, des dignitaires, des hautes personnalités politiques parmi eux et Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, nous, premier ministre jamaïcain lui-même tout, eh bien, il a fait va-et-vient ça, il a rencontré et pour être capable de décider sur Haïti. Il faut me dire, Jacqueline, que dans ce moment-là, il y a une rencontre bilatérale qui a fait justement entre eh bien, secrétaire général et communauté caribéenne, Mme Carla Barnett, avec secrétaire général, secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Donc réunion qu'a fait et de façon bilatérale, on était ensemble, on face à face et après réunion ça, justement, dans salle conférence là, nous prenons une réunion CARICOM dans l'autre pays CARICOM, nous prenons décider. Donc 15 pays membres de la CARICOM qui viennent aujourd'hui après statuer sur ce qui a passé en Haïti. Eh bien, si depuis matin nous avons plusieurs personnalités, il y a une autre que nous avons eu à la, au contraire, et juste avant que l'émission a commencé, nous avons remarqué présence, par exemple, et Patrick Gaspard. Donc, il y a des personnalités, au fur et à mesure que nous avons défilé devant nous là, toutes personnalités, ça, ils ont réuni aujourd'hui dans Kingston, Jamaïque, sous le pays d'Haïti. Et il y a des gens qui ont observé, qui dit que si il y a des autorités, des gros chabrak autorités politiques de tout pays à travers le monde, sous le pays d'Haïti, et surtout de la Caraïbe, on précise, pas gagné, et c'est vrai, pas gagné, et parti haïtien, lui-même pas représenté. Pourtant, nous rencontrons un compatriote haïtien lui-même qui quittait le pays, qui arrivait quitter Haïti, lui rentré, lui dit, te vle vin dans Kingston, Jamaïque, pour te voir qui s'est pas discuté sous nos pays. C'est ça, lui dit nous. Il s'agit de M. Himmler François, M. Himmler François lui-même, qui a la tête d'un parti, un parti tout neuf, un parti petit bébé, nous capable de dire qu'il est en Haïti, qui est le papa. Et parti, ça a demandé changement pour Haïti, et VOA Creole, tu es parlé ensemble avec lui. Nous demandons pour qui ça a Livini l'expliquait justement dans le micro VOA Creole que Livini Kingston Jamaïque, parce qu'il connaît non seulement une réunion sur Haïti, mais il pensait que Haïtien ou bien Youn n'est membre et classe politique haïtienne n'est supposé là, donc il répond présent. Bien qu'on a précisé que le parti haïtien n'a pas invité, pas de aucun membre parti politique ou bien société civile haïtien qui était invité dans la réunion, ça, Jacqueline. Réunion encore une fois en urgence. Que CARICOM est lancé et ils ont invité certainement avec accompagnement pays les États-Unis, la France et le Canada. On parlait tout de Premier ministre. Allez, avant aller plus loin, nous parlons des extraits, déclarations que représentants parti politique ça, sorry les partis politiques. Monsieur Himmler François. Himmler François, c'est ça, du parti politique Papa. Himmler François, c'est président fondateur parti politique Papa, qui c'est parti petit Haïti. Moi, venu là jeudi, le fait que me tendez gain en réunion qu'a fait en sous Haïti, il y a des décisions qui pourra le prendre pour aider pays à avancer. Me de venir là pour me être capable porter concombre pour me représenter peuple non. OK, mais en qui alors est-ce que vous invité parce que je dis c'est pas gain parti haïtien qui invité là, il semble. Est-ce que vous êtes invité officiellement par la CARICOM? Est-ce que c'est de façon officielle pour là? Non, j'étais pas invité officiellement par la CARICOM parce que yon n'a pas que moi découvrir dans toute activité ça qu'a fait yo, CARICOM ou bien Nations Unies, yo pas gain contact nouveau parti politique qui en Haïti yo. C'est toujours les anciens, y a d'où que yo rencontré avec parti politique à droite à gauche, mais pendant ce temps vraiment parti politique nouveau yo, yo pas gain aucun communication avec yo. Le ministre intérieur m'croit qu'il peut supposé ba yo une liste, un nouveau liste de tout parti politique qui existait yo pour yo capable voyer invitation, mais moi-même m'pas recevoir aucune invitation de aucun monde. Même dit si pas une invitation qui t'est venu en tant qu'un parti politique qui est enregistré avec un ministre intérieur, un ministre justice. Je viens me porter tête pour me capable servir pays parce que l'important dans situation paysan est là pour nous tout haïtien qui mettre tête nous ensemble pour nous représenter Haïti. Très bien, mais c'est pas ministre justice paysan, c'est CARICOM qui a organisé réunion ça au courant de ça. Non, oui, moi au courant de ça, mais songez bien, tout travail commence la caille. Si la caille pas mettre nous en position pour international la reconnaître non, c'est normal qu'il faut pour nous toujours gagner tout ancien yo a pour rencontrer tout temps tout ancien parti politique actuellement là yo qui a kembe pays en salier là qui met pays en salier là tout représentant qui met pays en tête en bas c'est yo même avec yo y a pour rencontrer c'est yo même qui chita sous table là lorsque nous même qui ta remen ouais pays avancé hein jeunesse là pas grand monde qui représente dans discussion qu'a fait yo.
Voilà, et donc Valerio, une question rapidement à deux volets. Et dans la réunion, ça, c'est sous Haïti. Qui ça a dit même? Qui sont tendés au dit de Premier ministre haïtien Ariel Henry? Et qui ça protocole là? Qui l'est que n'a capable de connaître ça qui passe dans la réunion ça même? D'accord. Et première question, je vais me répondre. Nous cherchons, nous fouiller et nous poser question, bien qu'au départ, pas de question qui te voulait répondre, sous question Premier ministre Ariel Henry, sur le compte du Premier ministre Ariel Henry. Mais finalement, tout à l'heure, là, dans la salle de conférence à côté que nous y a là, en salle de conférence à côté que médias locaux, surtout, il y a tant en attente, puis autant de sacs sortis. En dedans, conférence de presse, et, oh, pardon, en dedans, réunion, nous dit plutôt, et pays membres CARICOM, et certainement face à face à Anthony Blinken et puis secrétaire général CARICOM, non? Eh bien, il dit nous clairement, que le Premier ministre Ariel Henry n'est pas venu Jamaïque, il n'est pas invité à venir et n'attendent toujours justement pour me poser d'autres questions qui t'a concerné, est-ce que la tournée en Haïti, etc. etc. Donc, je vois que la sous place pour poser des questions ça pour vous, tout à l'heure comme ça. Maintenant, protocole qui s'allie, et d'abord, il faut nous dire que nous avons senti que presque pas de protocole, puisque son réunion qui t'a pris le temps pour te faite, et alors, réunion officielle, bien que au fait, nous connaissons des réunions officieuses qui t'a faite dans différents locales, en dedans même hôtel ça. Donc, protocole là, c'est que après réunion officielle, vous pouvez le faire là, dans tout à l'heure, comme ça, dans l'auditorium Hôtel Pegasus, dans Kingston, Jamaïque, avec 15 membres pays CARICOM, certainement avec présence secrétaire de l'État américain, Anthony Blinken. Et juste après, c'est pour la conférence de presse, et nous avons en stand-by, nous avons sous place pour nous porter par conférence de presse, Jacqueline. Merci Valerio. Valerio Saint-Louis, c'est envoyé spécial VOA Creole dans Kingston, Jamaïque, côté que une grosse réunion, une réunion d'urgence qui a fait sous Haïti. Pendant ce temps, gagné et chef Jimmy Cherizier lui-même qui dit que li pa gagné pour yo wè yo même yo pas accepté décision qu'a sorti dans réunion Kingston nan en allo sa pipe. Dans moment Jamaïque a recevoir yon gros réunion d'urgence CARICOM dans Kingston dans l'idée pour joindre une solution dans crise qu'a saccagé pays d'Haïti, chef gang Jimmy Cherizier alias Barbecue qui présentait tête li comme porte-parole yon alliance groupe armé qui relait tête yo vive ensemble critiquer réunion ça pendant li dit yo pas reconnaître aucun gouvernement qui a sorti dans initiative ça. Nous pas reconnaître aucun gouvernement et que qui sorti dans si complot yo chez ta fait en dans hôtel contre peuple haïtien. Moun ki va prendre rey pays en jeune sorti là, c'est peuple haïtien qui a décidé et c'est ensemble à vivre ensemble n'a décidé qui moun ka prendre rey pays. Barbecue qui c'est un ancien policier qui en bas en pile accusation massacre dans pays d'Haïti, sorti dans Nations Unies pour arriver sous États-Unis, t'es réagi sous parole Amnesty, ancien sénateur élu et ancien rebelle Guy Philippe mentionné dans une déclaration li fait sur les médias. Guy Philippe son citoyen haïtien. Et les gens passent li. Et nous-mêmes, nous toujours dit ça, nous respectons tout le monde. C'est droit lien et droit constitution en balayé que vous voulez venir président. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas de problème avec aucun monde. Il suffit que ça passe pour nous avancer intérêt et pays. En ce qui a trait avec question amnistie, et mon affaire, si vous voulez faire quoi que bataille n'a mené aujourd'hui, c'est pour une question de amnistie. Et peuple haïtien, ça c'est pour dérouter nous. Quelques autorités américaines exprimer opposition yo par rapport à qui ont éventuel leadership Barbecue ou bien Guy Philippe. Situation Haïti ak ravage groupe armé yo a fait dans pays a continué à provoquer en pile réaction dans communauté internationale là. Dans moment presque tout commissariat policier dans région métropolitaine Port-au-Prince là crasé ou bien boulé a qui ont menace chaque jour gang armé sous palais national là ak aéroport international là. Pendant ce temps, en pile pays ou entité a retiré ressortissant yo ou bien employé yo dans pays d'Haïti parmi yo États-Unis et Union européenne. Pendant ce temps, dans le cadre de réaction, il y a un député démocrate New York, Gregory Mix, qui parlait avec VOA sur la situation du pays d'Haïti et qui remettait en question leadership Guy Philippe avec Jimmy Cherizier, alias Barbecue, Sandra Lemaire. Dans une interview avec VOA, député démocrate Greg Mix, qui représentait New York dans la Chambre des députés États-Unis, exprimer qu'est-ce que t'es lié sous sa capacité en Haïti. Mix, c'est un membre replacé commission la chambre qui travaille sous affaires étrangères. Because we cannot allow the gangs that seem to be led by Philippe and Barbecue, we can't let them control. We can't let them try to take hold. Monsieur dit, nous pas qu'à quitter gang que semblait Guy Philippe avec Barbecue à diriger prend contrôle Haïti. Nous pas qu'à quitter ou contrôler pays. Mix dit VOA, l'école est essentielle pour voyer force multinationale là et puis mettre en place un gouvernement transition.
Par rapport avec Premier ministre Ariel Henry, député Mix dit, li pata dwe tounen Haïti. And it's also important for them to come up with a provisional government so that someone is living in the presidential house. Li di mkwe li pi important ke jamè pou nou voye force multinationale la pou rétabli la paix, assure priorité ouvert, protégé palais présidentiel la. Et li important tout pou yo décide qui est kap fè pati gouvernement provisoire pou ke yon moun kapab occupe palais présidentiel la et pas pou premier ministre actuel la tounen. Parce que ça pa pède peuple haïtien. Ça pral probablement causer plus moun mouri a causer plus désordre. So that it can lead to a free and fair election and at the same time be able to combat the gangs. Député Mix dit li reconnaît Henri pat élu, mais faut qu'il respecte sa constitution Haïti dit sous ça. Monsieur dit VOA tout que li était participé dans rencontre avec membre CARICOM yo, membre groupe accord Montana et puis opposition ak société civile là sous qui Jean Haïti capable avancer. Mix souligne la proute sa haïtien dit au lieu de chercher dicter ça yota doué fait. Député démocrate Gregory Mix représentait 5e district New York dans la chambre. Li se moun état Caroline du Sud mais li habité dans quartier Harlem. Li te parlé avec collègue nous Celia Mendoza jeudi soir dans cadre couverture VOA sous discours état nation président Joe Biden. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra. L'autre réaction qui sortit dans la chambre député américain, c'est qui sortit dans député haïtiano-américain qui n'a été à Floride en parlant de Sheila Sherfield McCormick, qui demandait pour parlementaire républicain dans le Congrès pour autoriser rapide premier trans l'agent pour développement mission multinationale soutien à sécurité en Haïti. Luxon Saint-Ville était présent dans la conférence de presse. Sous un total 600 millions de dollars mission a coûté États-Unis promettent 200 millions. Dans la première tranche 50 millions administration Biden n'a demandé Congrès, c'est seulement 10 millions yo déjà joine. Député démocrate Floride lâché la chair Phyllis McCormick mandé collègue républicain Lio pour faciliter déblocage reste 40 millions. So I'm really asking the Republicans to release Moi vraiment mandé républicain pour yo quitter l'agent débloquer ça qui permet de nous avancer avec mission ça qui vraiment important pour nous gagner en stabilité. Tout retard dans processus décaissement l'agent qui fait bandi au prend tout pays à c'est ça parlementaire a déclaré. Yo l'autre bon madame chef Phyllis McCormick mandé Ariel Henry pour pas retourner à Haïti. Remettre démission et puis permettre au gouvernement transition installer. That transitional government cannot move forward with Ariel Henry. Gouvernement transition ça pas qu'avancer avec Ariel Henry. Nous te bal plusieurs opportunités pour gon transition. Ça gagne environ un an et demi, li pa jam fèl. Nous souhaitons républicain ou quitter l'agent de kesse et si nous joine des bagay ça et puis gagne avancer que fait l'autre semaine, peuple là a senti le protéger. En attendant, député américaine d'origine haïtienne a continué mander États-Unis pour camper sous déportation yo. Yon demande li dit département d'État promet pour répondre positivement. We met actually with the State Department last week. Nous avons rencontré avec le département d'État la semaine passée, ils confirmé nous yo pas faire aucune déportation. Kounya ça ne besoin connait c'est combien de temps ça a duré et puis moi pas ouais aucune raison ta ka imaginer pour yo ta continuer déportation dans un pays côté l'État failli. In a country that right now we can say is a fail state. Par rapport à quantité victime gang yo fait en Haïti, chez la chef Phyllis McCormick dit faut gagner un bon système justice. Pour juger bandi yo pendant période transition hein, pour yo pas retourner vin terroriser population hein, après élection yo depuis Fort Lauderdale l'état Floride Luxon Saint-Ville pour VOA Creole. Merci Luxon, n'a parlé toujours de force multinationale ça qui gagne pour déployer dans pays d'Haïti mais gagne ministère intérieur pays Kenya qui a annoncé que yo pays le paraît pour déployer dans pays d'Haïti pour entraîner police nationale là après signature accord réciprocité entre deux pays. Serge Rodriguez gagne détail. The status is as you know it. Ministre intérieur à l'administration nationale Kenya, Kithure Kindiki, dit jeudi lundi, puis il y a paré pour déployer une force police bien entraînée en Haïti, à la suite signature d'un accord réciprocité entre deux nations. Statut a toujours été jeune au connaissant. T'es gagné un petit problème avec la justice parce que le tribunal t'a exigé un accord réciproque avec Haïti. Et nous signons entente s'il a déjà, ça a gagné une semaine. Kounia, nous sommes en stade pré-déploiement.
Monsieur Kendiki continue pour le dire, tout l'autre programme est déjà en place tout. Procédure d'opération standard est déjà parée, policiers kenyans pourraient juste faire partie en mission sécurité multinationale en Haïti. C'est Kenya qui pourraient diriger la mission ça, mais il y a un pile d'autres pays qui prêt pour contribuer soldats. Et ça entraîne dans le cadre de mandat Conseil de sécurité des Nations Unies en Tébaye sous question. Kenya a été annoncé l'année passée que le pral diriger force multinationale là, cependant plusieurs mois hing hang légal, c'est la cause mission ça a campé en route. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci Rodriguez. Et toujours concernant gang armé dans le pays d'Haïti, et bien gen président pays Salvador, Nayib Bukele, qui proposait pour le vin Haïti pour résoudre violence gang armée à condition de joindre financement avec autorisation Conseil de sécurité Nations Unies. Et Gentil Augustin Junior, gain détail. Président Salvador Nayib Bukele te dit ayer dimanche 10 mars 2024 là, li capable résoudre crise qui a grandi en Haïti. Côté groupe criminel yo, t'a fait ravage dans dernier jou yo. N'a rappelé, gang yo t'écrasé grand prison an, pénitencier national, côté sous environ 4000 prisonniers, seulement 99 qui pas sauvé d'après yon responsable. Nayib Bukele jeune président Salvador, très populaire dans le pays li ak nan Amérique latine, depuis lè li commencé combattre gang ameyo, malgré militant droit moun yo, sonne alarme sous arrestation arbitraire ak condition prison yo qui pas approprié pour kenbe moun. Sous compte X li, li te écrit en anglais et n'appli en créole, nous ka range li. Mais nous pral besoin yon résolution Conseil sécurité Nations Unies, consentement l'armée pays a ak tout dépense mission yo dwe couvri. Président Salvador a pas de seul moun qui te réagi sous situation Haïti a. Yon personnalité sou internet la te écrit sous compte X li tout, nous ka li en créole, Salvador te sauvé. Haïti ka sauvé. Qui donc États-Unis capable, li jisment de volonté. Yon haïtien qui te réagi en anglais en bas post personnalité internet ça pour dire nous ka li nan langue créole, c'est peut-être ça nous besoin aide ou président Nayib Bukele. Peuple haïtien yon pa katan pour accueillir ou. Tant pri vini. Pour répondre à yon tweet vidéo sous sa kap passe Haïti sous plateforme X la, qui supprime nan moment nap liya, dom nou krete poste, président Salvador Nayib Bukele te répond comme ça, nap li en créole. Quelques années avant, nous te wè même qualité image sa yo Salvador. Gang kap benyen ak zo tèt victime yo. Tout expert yo te di ke anyen pa kapab kombat yo. Parce que yo ma konnen ak société nou an. Nou elimine yo. Nous devons faire même bagay là en Haïti. Après système anti-gang Bukele a été appliqué Salvador, qui pote résultat pour pays, gen ministre sécurité Argentine Patricia Bullrich te partagé quelques images sur X mercredi 6 mars là et puis fait louange pour action gouverneur. Il était déjà bat bravo pour approche Bukele dans crime drogue et il était dit qu'il est intéressé pour adapter modèle Bukele dans Argentine. Nous pas joindre dans tweet président Salvador comment la pote aide pour finir avec le problème gang nan en Haïti. Question qu'a posé Kounia, sans connaissance espace géographique Haïti, est-ce que solution Salvador est capable d'appliquer en Haïti pour finir avec le problème gang ça? Gentil Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. Docteur Konokababwe, dernière turbulence dans le pays d'Haïti a occupé page et médias internationaux côté Haïti, l'autre fois encore occupé. Première page. Ou sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue créole haïtien. Nous allons parler de l'actualité électorale là, ici aux États-Unis dans un petit moment. Et oui, 2024, c'est une année électorale ici aux États-Unis. Donc, campagne électorale a déroulé. C'est comme ça que président démocrate Joe Biden et ancien président républicain Donald Trump ont mené campagne avec une attention spéciale sous question immigration. Jean-Robert Philippe, abdino plus. Président Joe Biden et ancien président Donald Trump ont mené campagne parallèle dans l'État choisi pendant le week-end. Nan, côté, ils ont abordé des questions sous immigration, un sujet qui fait partie de la campagne électorale novembre élection 2024. Là. Même Jean avec l'élection présidentielle 2020, l'État Georgie capable de jouer un rôle important dans l'élection générale 2024. Yo.
ancien président Donald Trump pas mettre de l'eau dans bouche li pour critiquer bien critiquer discours sur l'État Union jeudi 17 mars là président Joe Biden t'est prononcé devant deux chambres congrès réunies. Président Biden t'est déclaré n'est pas capable de mettre dans même panier tout immigrant illégal avec immigrant qui commettent crime aux États-Unis. L'idée américaine a été préférée avec date 22 février passé, les immigrants vénézuéliens qui étaient rentrés dans le pays illégalement ont assassiné l'étudiant infirmier Lincoln Riley. En réponse avec action ça, ancien président Donald Trump, qui a mené campagne tout dans l'État de Georgie, pendant le week-end, a déclaré « He was an illegal migrant. » Étudiant mouri en bas mais un immigrant vénézuélien qui est entré dans le pays illégalement. Il était un immigrant illégal qui n'a pas jamais rentré dans le pays sous politique ancienne administration moyenne. Biden appliquait une politique officielle qui permet immigrants illégaux qui rentrent dans le pays à ambassade joindre immunité pour ne pas déporter. Samedi passé, président Joe Biden exprimé regret pendant l'étape mené campagne dans l'État Georgie. Peut-être il était utilisé par autre immigrant illégal. L'État a parlé de assassinat infirmière dans le discours sur l'État Union jeudi passé dans le Congrès pendant qu'il défend propre dossier sur l'immigration. I introduced a comprehensive plan to fix our immigration system, secure our border. Provide a pathway for citizens, for dreamers and their families. Moi soumettre un plan compréhensif pour corriger système immigration, sécuriser frontières, créer un moyen pour ti monde qui t'est rentré dans pays sans document légal ak parent yo vinn citoyen américain, monde kap travay nan ferm yo, travay essentiel yo ki t'est aidin pendant pandémie et qui fait partie communauté noire n'a vivre là. Président Joe Biden avec ancien président Donald Trump qui mène campagne dans l'État Georgie pendant un week-end sur route pour remporter nomination parti respectif donc parti républicain avec parti démocrate là pour topper Cornio dans l'élection 2024 une répétition élection 2020. Campagne ça a déroulé 24 heures après J. Tipton annoncé programme humanitaire sous parole. Administration a été lancé en janvier 2023 en faveur 4 pays, Haïti, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Et bien bon, programme ça est capable de continuer. J. Tipton prend décision après 20 États qui étaient dans la tête de l'État Texas, demandé pour suspendre le programme. Non. Plusieurs centaines de milliers d'immigrants qui sont dans quatre pays, ça y est, eh bien, ils ont déjà bénéficié, après un jeune support financier, du monde qui vivent légalement aux États-Unis. Jobert Philippe, VOA Creole, Maryland. Merci Jean-Robert Philippe et bon retour. Qu'on y a nous pour retourner dans le pays d'Haïti, côté que dans Wanamet, il y a partisan Petit Desaligno qui t'a fait manifestation. Jodelet Junior, Saint-Ville, t'es présent. Il y a plusieurs centaines de partisans Petite Dessaline et Pakat Namé qui te prennent la rue pour manifester dans la ville Wanamet hier dimanche 10 mars 2024 là. Pour dire yo d'accord, y a supporté proposition parti politique Réveil National avec Petite Dessaline fait pour remplacer gouvernement Ariel Henry. Proposition si là n'a fait songer, c'est un conseil présidentiel qui a gagné 3 membres. Juge Durin Durin Junior, ancien sénateur Guy Philippe et docteur Françoise Saint-Villier. Manifestants yo mandé pressé pour conseil là installé. Conseil présidentiel qui gagne en tête lui, juge du résilio et puis Guy Philippe Kopom, docteur Saint-François Saint-Villier. C'est ça que nous avons ici réclamé. Nous avons spécialement à pays que le peuple haïtien attend. C'est ça ce conseil ça. Manifestants ont déclaré que c'est l'ingérence communauté internationale là qui la cause situation en vine pi mal. Et au mandé pour ces haïtiens yo même celle qui pour résoudre crise là. Toujours d'après ça yo dit yo pas quitter la ria tout autant conseil là pas installé. Manifestation si là qui te bout vers 5h après-midi, te fini sans aucun incident en bas la police. Jodelet Junior Saint-Ville, depuis Wanamet, pour VOA Creole. Et puis qu'on y a nous pral dans Ville-Okaï, dans le département sud, avec Jean-Ernst Eliscar. Autorité jamaïcaine voulait tourner en Haïti 71 compatriotes haïtiens qui ont tenté de rentrer d'une façon illégale
dans pays Jamaïque à bord d'un petit bateau. Majorité moun sa yo qui c'est une série jeune garçon et jeune femme sorti dans département Grandens plus précisément dans Dame Marie à Chambellan. C'est quoi au sud à mairie Okaï qui te recevoir eux dans base garde-côte Okaï. Présidente conseil d'administration communale Okaï là Claire Daphné France a bail plus de détails. Il y a 38 monde que garde-côte Jamaïque prend sous la mer qui d'appartenir de Jamaïque que y a bouffler au bas Okaï. Donc c'est dans cadre ça nous-mêmes là et un foie rouge tout qui était là. Matin on a un ZPJ parce que était une depuis à 7h pour nous rentrer. Et nous était là malheureusement. Nous venons voir que temps passé pour rentrer, il y a une équipe pour nous déplacer. C'est mairie avec foie rouge qui te recevoir. En général là on rentre bon comme on connaît. Pas un budget vraiment pour ça mais nous allons manger et yo quand dormi dans bazar dépendamment de l'heure rentrer ou bien des fois nous cherchons soit en mairie si vous êtes à remettre nous une machine et puis nous voyons transférer au bas mairie de proximité hein si vous sortez dans grande nous comptons transférer au bas mairie Jérémien ni même ni rapatrier ou ça pas lancer nous ça pas l'autre côté notre mairie en fait suivi quelques monde ça yo que nous t'ai interrogé fait connait c'est mauvais la vie qui t'ai poussé yo prendre canté pour y aller chercher une la vie meilleure dans pays Jamaïque bon limi yo passer Haïti. Aïe, vous voulez l'autre travail quand même. Et nous-mêmes, c'est travail qui va gagner, nous ne pouvons pas gagner. Nous prenons même pour nous aller à l'autre côté. Si nous avons nous avons pris, nous ne pouvons pas quitter le pays, nous pouvons travailler sur l'autre côté. Bon, si nous ne pouvons pas parler, depuis que nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas parler. Je ne m'en passe de misère. Je manque de mourir sous la mer. Oui, je viens de la mer, première fois, je ne pouvons pas parler. Comment expérience en pays? Ah, je ne sais pas comment je vais expérience. Comme dès que dans la main. Combien de temps on fait sur la main? J'ai dit à faire 3 jours. Alors, c'est la première fois qu'on participe à la main. Première fois. Selon magistrat Daphné France, c'est seulement un plat chaud, mais au caille, tu es en mesure pour bailler 71 compatriotes Sayo qui ont passé 5 jours sous la main après garde-côte jamaïcain, tu pimpé au tourné en Haïti. Jean-Ernst Eliscar, VOA Creole, Okaï. Merci Jean-Ernst Eliscar et puis gain Jean-Christophe collègue qui correspondant nous qui fait nous connaître que situation très compliquée dans le plateau central. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous, c'est un plaisir l'autre fois encore pour nous te servir. Merci Fred Kaimit, merci gentil Augustin Junior, merci Jean-Marc Arbella, moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir.